Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette quatrième leçon de piano dans laquelle nous allons pouvoir apprendre la suite des notions des accords que nous avons commencé à entamer donc dans la leçon numéro 3. Donc je nous ai donné quelques petites notions donc avec un petit exercice et comme je le disais, donc c'est davantage combiner l'apprentissage donc littéral, encore une fois, avec l'apprentissage technique, le positionnement des doigts pour une bonne progression et justement pour un engouement au niveau du jeu. Donc voilà. En intro donc, de cette vidéo, j'ai pu vous montrer en fait le chant « Gloire à l'agneau » que j'ai joué dans la gamme de Do. Et en vous montrant donc, comment jouer ce chant-là, je vais également vous expliquer davantage donc, la notion des accords, à quoi ils correspondent et comment les jouer. Donc, le premier accord en soi donc, de la chanson est l'accord de Do, vu que nous sommes dans la gamme de Do. Deuxième accord, Sol majeur. Gloire, Fa majeur. Do. Gloire, Fa. À l'agneau, Sol. Je rends gloire, Do. Sol. Gloire, Fa. Do. Gloire, Fa. A, Sol. L'agneau. Je vais refaire la marche donc en appelant les accords par les numéros, donc par la nomenclature, comme on a pu voir au précédent cours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc correspondant au numéro de l'accord dans la gamme, donc le numéro du degré. Donc dans la gamme de Do, nous sommes sur le Do qui est le 1. Nous allons sur le Sol qui est le 5. Gloire. Le Fa qui est le 4, le Do qui est le 1, gloire, le Fa qui est le 4, l'agneau, le Sol qui est le 5, on commence une fois, gloire, Do qui est le 1, Ave, le Sol qui est le 5, gloire, Fa qui est le 4, Ave, Do qui est le 1, gloire, le Fa qui est le 4, ah, le Sol qui est le 5, la, yo, et le Do qui est le 1. Voilà. Donc, une marche qui est différente de celle que j'ai pu nous montrer dans le précédent cours. Donc, justement, avec cette marche-là, et vous êtes capable de pouvoir jouer, on va dire, votre premier chant qui est « Gloire à l'agneau » avec la succession d'accords que je vous ai donné. Donc, encore une fois, observez bien le positionnement de mes doigts. Donc, vous pouvez le voir au niveau du clavier virtuel, les notes qui sont enfoncées. Do. Sol. Fa, Do, ainsi de suite. Là, le jeu, je l'ai fait, donc pour ceux qui se souviennent, petit mémo, je l'ai joué en accord plaqué. Donc j'ai plaqué simultanément toutes les notes. Maintenant, cette même marche-là, je peux la faire en arpège. Je rends gloire. Gloire à l'agneau. Voilà. La même marche en arpège. Donc montré en accord plaqué, plaquage simultané et en arpège. Voilà
tape ce petit chant, donc notre premier chant, que vous pouvez jouer donc dans la gamme de Do, donc en jouant les accords que je viens de vous montrer. Donc, nous allons bifurquer justement sur l'approfondissement des notions des accords. Donc, à savoir que en accord, il y a deux types d'accords, on va dire, principaux, donc qui sont les accords majeurs, que vous savez déjà faire aujourd'hui, et les accords mineurs. Maintenant, comment différencier au niveau du positionnement, également du son, les accords majeurs des accords mineurs? Donc, on va prendre simplement comme exemple, l'accord de Do, c'est un accord facile, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un accord de Sol pour un peu, justement, nous aider à travailler ça. L'accord de Sol, nous avons pu le voir, se compose de Sol, Si et Ré. Après, je le double par rapport au positionnement que je nous ai montré. Mais en soi, l'accord de base, il est composé de Sol, Si et Ré. Voilà. On se souvient bien de la fondamentale, de la tierce et de la quinte. Et donc, lorsqu'on regarde l'espacement en fait entre chacune de ces notes, lorsqu'on fait déjà, souvenez-vous, donc ça c'était dans le premier cours que je l'avais abordé, c'est que entre le sol et le sol dièse, nous avons un demi-ton. Entre le sol dièse et le la, nous avons un demi-ton. Donc un demi-ton plus un demi-ton est égal à un ton. Ok ? On se souvient de ça. On garde ça à l'esprit. Donc, je me repositionne sur mon accord de sol. Et lorsque je regarde en fait les intervalles entre ma fondamentale et ma tierce, on va compter ensemble. Donc nous avons donc de Sol à Sol dièse, un demi-ton. De Sol dièse à La, un demi-ton. Donc ça fait un ton. Plus encore, nous avons de La à La dièse, un demi-ton. Et de La dièse à Si, un demi-ton. Donc au total, nous avons quatre demi-tons. Et lorsque nous calculons tout ça, nous avons en fait un intervalle de deux tons. Parce qu'un demi-ton, un autre demi-ton, un autre demi-ton, un autre demi-ton, et nous avons deux tons. Donc entre la fondamentale et la tierce, nous avons un intervalle de deux tons. Idem, nous allons compter maintenant la distance entre ma tierce et ma quinte. Donc vous savez pour mémoire que le si dièse n'existe pas. Ouais, si dièse n'existe pas. Il n'y a pas de note noire, il n'y a pas de dièse. Et le do bémol non plus n'existe pas. Voilà. Voilà. Et donc, en soi, nous avons ici un demi-ton. Rappel de la première leçon. Un demi-ton entre le si et le do. Entre le do et le do dièse, nous avons encore un demi-ton. Et entre le do dièse et le ré, nous avons un demi-ton. Voilà. Un demi-ton. Un demi-ton. Et un demi-ton. Donc vous pouvez le voir ici. Donc, l'accord majeur se caractérise par ces intervalles-là. Voyez, entre la fondamentale et la tierce, vous avez deux tons. Ça, c'est la particularité de l'accord de l'accord majeur. Là, pour exemple, l'accord de Sol. Je vais le marquer justement en en-tête pour bien comprendre. Un accord majeur, donc il y a un intervalle, une distance entre la fondamentale et la tierce qui est de deux tons. Et à contrario, l'accord mineur, donc, qui pour le sol se compose comme ça, par définition, c'est donc la note tierce que nous allons, ce qu'on appelle, diminuer. Encore une fois, je vais marquer les définitions en tête pour bien comprendre et pour que ça puisse rester. Un accord majeur. Et pour transformer un accord majeur en un accord mineur,
nous n'avons qu'à diminuer la tierce. Donc, par définition, le fait de diminuer consiste à, si vous voulez, à reculer une note d'un demi-ton. Regardez, on recule donc la tierce d'un demi-ton. Et ça nous donne un accord mineur. Vice-versa, je pars d'un accord mineur, donc sol mineur ici, pour aller vers un accord majeur, enfin transformer un accord mineur en accord majeur, je n'ai qu'à augmenter la tierce. Donc la tierce qui est ici. Le fait d'augmenter consiste simplement à pouvoir décaler la note d'un intervalle vers l'avant. Vous voyez ? Donc j'ai augmenté la note, ma tierce. J'ai diminué ma tierce. Notre exemple sur la corde Do. Nous avons la corde Do majeur. Où est ma tierce ? C'est ma note demi que j'ai diminue et qui est transformée tout d'un coup en accord de Do mineur. Vice-versa, dans l'autre sens, j'ai mon accord de Do mineur et je veux le jouer en un accord de Do majeur. Je n'ai qu'à augmenter ma tierce, donc qui est ici mon Mi bémol, mon Ré dièse. Troisième exemple, l'accord de Fa, donc l'accord de Fa majeur, Fa, La, Do. Ma tierce, je veux faire un accord de Fa mineur, ma tierce qui est le La, que je diminue et qui me donne l'accord de Fa mineur. Fa mineur, Fa majeur. Un dernier exemple pour la route. L'accord de Sol. On l'a déjà fait, donc on va faire l'accord de Mi. La particularité, donc, l'accord de Mi, il y a une dièse dedans. Donc voilà. L'accord de Mi qui se compose de Mi, Sol dièse et Si. Donc vous allez voir que l'intervalle est toujours valable. L'intervalle que je vous ai expliqué juste avant est toujours valable pour l'accord majeur. D'où la particularité donc de l'accord de Mi qui est composé de Mi majeur qui est composé avec une dièse. Voilà. Mi majeur. Je veux donc trouver mon accord de Mi mineur. Je diminue ma tierce qui est le La bémol. Mi mineur. Mi majeur. Mi mineur. Voilà. Particularité, vous avez pu le voir, donc il y a une variante, accord majeur, accord mineur. La petite particularité, c'est au niveau de l'énonciation, c'est lorsqu'on, par défaut, lorsqu'on parle d'un accord, par exemple, on dit l'accord de Do, en général, lorsque c'est un accord majeur, on ne le précise pas, on le sait d'office. Lorsqu'on dit je fais un accord de Do, c'est automatiquement un accord de Do majeur. Mais lorsque je vais préciser, je fais un Do mineur, mais là, on sait que c'est un accord Do mineur. Donc dans l'énonciation, en général, quand on parle de faites l'accord de Fa, c'est un accord de Fa majeur. Accord de Fa majeur. Je fais un Sol, c'est l'accord de Sol majeur. Et lorsque je vais préciser Sol mineur, c'est l'accord de Sol mineur. Sol mineur, voilà. Do majeur, Do mineur. Ré majeur, Ré mineur. Mi majeur, ou Mi, comme on vient de le dire, Mi mineur. Fa, Fa mineur. Sol, Sol mineur. Et un dernier pour la route, l'accord de La. La. La mineur. Voilà. Petite notion très importante, justement. Encore, donc, la notion liée aux accords, on va la diviser en trois parties pour vraiment que ça soit, qu'on puisse apprendre étape par étape en soi et pour bien comprendre, pour qu'on puisse être à l'aise justement avec cette notion-là. Voilà, la notion des accords. Donc là, je vous ai appris
la différence entre les accords de majeur et les accords mineurs au niveau, donc par définition, au niveau des intervalles. Donc vous verrez que en barre de description, je vais vous mettre donc un outil qui est très 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 bien étudié, qui a été vraiment bien fait par les personnes qui l'ont fait. C'est tout simplement un dictionnaire donc numérique des accords, dans lequel vous allez avoir une colonne qui vous permettra de définir par exemple l'accord que vous voulez apprendre. Vous mettez par exemple l'accord de Do, et vous allez voir au-dessus sur le clavier virtuel donc, de cette application, sur ce site, sur ce lien, qui vont vous montrer directement les touches à enfoncer pour pouvoir faire l'accord de Do, les touches à enfoncer pour pouvoir faire l'accord de Ré, accord de Mi, ainsi de suite, pour que vous puissiez vous familiariser avec les accords. D'accord ? Les accords, voir comment ils se composent, comment également trouver les variantes. Il y a beaucoup de variantes d'accords. Là, on a parlé des deux principales, c'est l'accord majeur et l'accord mineur, mais il y en a encore d'autres, des cinquièmes, des diminués, etc. On ne va pas rentrer dans ces choses-là, encore une fois, étape par étape. On va juste, pour finaliser cette vidéo ensemble, refaire donc le chant dans l'introduction « Gloire à l'agneau » dans la gamme de Do, pour que vous puissiez encore vous familiariser avec le déplacement et avec justement le nom des accords. Gloire à l'agneau dans la gamme de Do. Première partie en version plaquée. Fois en arpège, Do, Sol, Fa. Sol, Do. Je vais nous l'énoncer en nomenclature, en numéro. 1, 5, 4, 1, 4, 4, 5, 5, 1, 5, 4, 1, 4, 5, à la 1. Et voilà. Donc je nous laisse sur ça, sur cet exercice-là. Ces notions encore d'accord, accord majeur, accord mineur, la marche en plaqué de Gloire à l'agneau, la marche en arpège de Gloire à l'agneau. Donc avec ça, vous avez de quoi faire pour pouvoir vraiment peaufiner le positionnement, peaufiner la notion des accords majeurs, accords mineurs. À la prochaine vidéo, on va pouvoir voir en troisième partie justement, commencer à comprendre en fait le lien entre les gammes et les accords. Justement, je ne vais pas encore rentrer trop de notions, mais ce sont des notions qui sont vraiment importantes à comprendre et à connaître afin d'être à l'aise dans son jeu. En tout cas, que le Seigneur nous aide dans cet apprentissage-là. Encore une fois, ces cours-là sont pour encourager les frères et sœurs, encourager tout à chacun à progresser dans l'apprentissage, pouvoir honorer le Seigneur à travers les instruments de musique. Et en n'oubliant pas que justement ces dons, ces talents-là, c'est lui qui nous les donne, c'est lui qui nous fait grâce de ça. Et à lui toute la gloire et la louange. À bientôt, bon courage dans l'apprentissage et que le Seigneur nous garde.